Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur GTA San Andreas Definitive Edition, donc fameux GTA qui ressort dans la trilogie avec le 3, le Vice City et donc ce San Andreas. Alors j'ai pas acheté la compile parce que j'ai pas envie d'acheter 60€ une compile avec seulement des remasterisations de jeux de PS2. Parce que les gens ont du mal à comprendre la différence entre un remake et une remasterisation. Je vois beaucoup de gens qui confondent les deux. Clairement, je n'ai pas envie. Donc, le San Andreas, il est dans le Game Pass. Donc, on va se faire une petite vidéo pour voir ce que ça donne en termes de rendu. Mais voilà, j'avais pas envie du tout d'acheter ça. Je pense que là, pour ceux qui confondent encore les deux, vous voyez quand même la différence entre un remaster et un remake. C'est que là, on voit bien que c'est exactement le jeu PS2 retexturé, quoi. Et c'est pas du tout un jeu qui a été redéveloppé un peu genre à l'identique, mais en version moderne, quoi. C'est pas un jeu qui a été réinterprété, on va dire, et refait. C'est le jeu de l'époque qui a été retexturé avec des nouveaux effets. Et donc le gameplay, ça va être la rigidité et toutes les raideurs et tous les défauts qu'on trouvait à l'époque sur ces jeux-là. Hein. On n'y faisait pas attention à l'époque parce que il fallait bien aussi que avec les puissances limitées et le fait que c'était les premiers gros jeux. Comme ça, il fallait bien que tout le monde s'adapte petit à petit et arrive à faire des choses petit à petit. Mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, déjà les jeux Rockstar, même aujourd'hui, je trouve que le gameplay est assez lourd, honnêtement. Alors à l'époque, c'était carrément rigide en vrai avec le recul. Bon, ben voilà. On peut bouger la caméra, je me souviens pas si on pouvait le faire à l'époque. Comme on monte dessus, normalement c'est Y, ouais. C'est ça. Y, et après faut appuyer sur A, voilà. Donc je suis désolé, vous allez entendre la manette. Hein. Bon, ben alors. Puisque il fallait tapoter le bouton. Pour aller plus vite. Ok, bon. On va pas jouer très longtemps. Je vais faire des cuts, tout ça. On va pas faire une vidéo très longue. Mais bon, vous le voyez, hein, c'est le jeu de l'époque. Avec des textures retapées, quoi. Et puis, une espèce d'effet de reflet, tout ça. Peut-être du ray tracing. Normalement, si je me souviens bien, ici, ça va... Ça va tirer. En fait, on dirait juste qu'ils ont mis un pack de textures au jeu, quoi. On va dire qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Hein. La technique, là, pour le coup, le reste, c'est le jeu de l'époque. Quoi. Donc, si vous l'avez déjà fait. Et pour ceux qui ont la PS5, il y a, je crois que c'est Vice City, il est disponible dans le PS Now. Et donc, sur Xbox, il y a San Andreas. Sur le Game Pass, donc en gros, si vous avez les deux consoles, vous avez deux jeux sur trois déjà. Avec les abonnements, ok, mais bon. Oh bordel. On va partir en vélo. Ah, quand même, ça a vieilli, hein. Bon, je suis désolé, je vais m'attraquer la touche, je vais essayer de le faire assez loin de... Je vais essayer de le faire assez loin de du micro.
J'essaie de nous niquer, c'est con. Ah oh, putain, c'est où? Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Oh ouais. Oh enculé. Un petit bâtard. Oui, c'est vrai que dans San Andreas, il y avait ça. Plus on faisait de sport, plus l'endurance montait et on pouvait faire prendre du volume musculaire au personnage même. C'était assez fou quand on y pense, hein, ce qu'ils avaient fait à l'époque quand même. Et pourtant, c'était pas mon préféré. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Quand même le son, hein. C'est pas. Ils ont pas touché au son, j'ai l'impression. On entend malgré tout même ça qu'il y a une différence, hein, aujourd'hui par rapport aux jeux de l'époque, en termes de mixage, en termes de tout, hein. Gia, and get yourself some colors, fool, and a haircut. It's embarrassing to be seen with you. La gueule. Ouais. Je me souviens de tout ça. On va foutre le vélo dans le garage. Hein. Pour l'instant, j'ai que ça. On va aller à l'intérieur. On va aller regarder dans les options s'il y a des choses. Tapoter pour sprinter. Ah, on peut l'enlever. Peut-être qu'on peut faire ça autrement. Ok. On a fidélité ou performance, d'accord. Ok, bon. Ouais, parce que je trouve ça assez fou que ça arrive à ramer un petit peu. On voit quand même. La petite baisse de framerate, des trucs comme ça. Bon, on va aller le voir. Non, vous savez, on va aller se balader un petit peu, tiens. On est bien d'accord qu'il m'a dit d'appuyer sur les flèches du haut ou du bas. On pouvait bouger la caméra comme ça, les précédents. Ouais, comme ça, je peux sprinter en restant appuyé sur la touche. C'est quand même mieux que... Oh merde. C'était un flic en plus, quoi, ça va. Ah, ça, c'était pas pour enlever les étoiles, ça. Je crois, oui, si, c'était pour enlever les étoiles. Ouais, ils ont mis des petits effets de lumière sympas, mais... Bon. Ça change rien. J'ai déjà vu des rumeurs qui disent qu'ils vont nous faire la même avec GTA 4. Bon, GTA 4 est plus moderne, mais... En gros... ils vont nous remasteriser GTA 4, apparemment. Après, c'est des rumeurs, hein. C'est pas... C'est pas quelque chose qui était... Oh, il y avait un flic là-bas, évidemment. Alors, c'est quand même la gâchette pour accélérer, ok.
Est-ce qu'on peut... Voilà, radio éteinte. Hop. On va se balader un petit peu. Mais ouais, j'ai vu ça sur Twitter passer. Une rumeur comme quoi... Ils allaient nous remasteriser GTA 4. Après... En fait, les GTA, j'ai l'impression qu'à chaque changement de génération, il y a toujours un premier épisode où il y a moins de choses que les précédents, mais avec un nouveau moteur graphique. Enfin, parce que GTA 4, il y avait clairement moins de folie, moins de choses que San Andreas. Ils l'ont fait avec une conduite genre plus réaliste. Ils ont... Comment dire ? Il n'y avait pas tout le système de tu fais du sport, tu prends du muscle, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Par contre, bah, on avait passé un cap visuellement, on avait, voilà, on était sur une nouvelle génération de consoles. Et GTA 3, c'est pareil. Tu regardes GTA 3, c'est le premier GTA en 3D. Par contre, bah, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, tous les trucs qu'on avait dans Vice City ou dans San Andreas. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe à chaque fois. Et bon, on verra GTA 6 s'il arrive un jour, hein, parce que pour l'instant ils en sont encore à recycler une fois de plus GTA 5, puisqu'il va revenir sur les nouvelles consoles encore une fois. Moi j'ai envie de vous dire, si ça se vend, ils auraient tort de s'en priver. Hein. Mais bon, je vois beaucoup de critiques là sur Bethesda par rapport à Skyrim qui revient là. D'ailleurs, je pense qu'on fera pas de vidéo. Hein. Mais j'en vois beaucoup moins sur le retour de GTA V, par exemple, alors que c'est exactement le même principe. C'est des jeux qui sont sortis sur la même console à la base, hein, PS3 360, qui sont revenus sur PS4 et One, et qui vont revenir sur PS5 et Series X, à un moment donné, qui sont sortis aussi sur PC. Bon, après, en plus, Skyrim, il est aussi sorti sur Switch. Bon, à un moment, il faut peut-être arrêter. Ils sont à chaque fois revendus le prix fort en plus. Là, c'est 60 balles encore l'anniversary édition de Skyrim. Donc, bon. À un moment, peut-être arrêter les conneries. Et Rockstar, ils sont en train de tourner pareil. Sauf que Rockstar, je l'ai dit une fois quand j'ai parlé de Red Dead par exemple. Rockstar, c'est un peu le studio qu'il faut pas toucher, j'ai l'impression. Si vous critiquez Rockstar, vous êtes tout de suite insulté. Alors que là, quand ils utilisent ce genre de méthode, bah, ils veulent pas mieux que les autres. Et j'ai l'impression que petit à petit, ils font de moins en moins de choses. Il n'y a plus de Midnight Club, il n'y a plus Bully Scholarship, Bully Scholarship ou Canem. Comment c'était le. Canem Edit, un truc comme ça, c'était le vrai nom, je crois. Mais Bully, par exemple, bah, on attend un 2 depuis très longtemps, je pense qu'il n'arrivera jamais, ou alors dans 10 ans. GTA 6, il arrivera dans 10 piges. À ce rythme-là. Bah Midnight Club, ça n'existe plus. Manhunt, bon, je dis pas que Manhunt, c'était extraordinaire, mais ça n'existe plus. Enfin, voilà, c'est... C'est quand même... Tout ce qu'ils nous font, c'est du recyclage avec ça. Simple remasterisation. Et ça va être du recyclage avec une fois de plus GTA 5. Alors après, ils font plein de mises à jour sur le online et tout. Ok. Mais voilà. Au lieu de nous sortir, nous dire on le ressort encore une fois. Mais même sur toute la partie solo, on va faire une sorte de gros DLC avec plein de nouvelles missions, une suite à l'histoire, ou j'en sais rien. Mais même pas. Ça va être un copier-coller un peu amélioré graphiquement. Sauf que même avec des améliorations, le jeu, il a 10 ans presque. Donc ça va commencer à se voir, hein, malgré tout. À un moment, il faut arrêter les conneries. Et ça parle, bah, les rumeurs, comme je vous le disais, de faire une remasterisation de GTA 4. Donc à un moment donné, Rockstar, ils font plus rien, et quand ils font quelque chose, il leur faut 5 ans, 6 ans, et puis tout le monde nous dit oui, mais c'est parce qu'à chaque fois ils sortent des trucs extraordinaires et tout. Bah, non. Enfin, Red Dead 2, perso, je l'ai bien aimé, vraiment. J'ai passé 15 jours non-stop dessus.
Je l'ai vraiment bien aimé, c'était super beau et tout, mais il y avait quand même des grosses lourdeurs dans le gameplay, il y avait des bugs, même si j'en ai pas eu énormément, il y avait des bugs. Il y avait des tout n'était pas parfait, et la preuve, c'est que d'ailleurs que le online de ce Red Dead 2, il a... Ouf. Heureusement, ils étaient occupés avec lui, ils m'ont pas vu écraser l'autre. Mais le online de Red Dead 2, il a quand même un petit peu bidé, enfin voilà. On a beau dire que c'est extraordinaire, je sais pas quoi, tout le monde l'a oublié, Red Dead 2 aujourd'hui. Hein. Faut un petit peu être honnête, donc. Donc non, je sais pas à quel jeu il joue, Rockstar, mais. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop protégés par rapport à ce qu'ils font depuis quelques temps. Voilà. Je sais que ce que je viens de dire là, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Hein. On a le droit d'avoir tous un avis. Moi, je respecte totalement ceux qui pensent pas comme moi, j'ai aucun problème avec ça. Tant qu'on me respecte aussi dans l'autre sens, j'ai aucun problème. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter, on a fait un petit tour, c'est dommage, il fait nuit. Mais comme ça, bon, on a pu voir les effets de lumière qu'ils ont rajoutés et tout. Donc voilà, écoutez, ça a été un petit tour de GTA San Andreas. Honnêtement, moi je crois pas que ce soit vraiment une bonne idée d'acheter cette compile parce que c'est quand même des jeux aujourd'hui qui sont vieillots. Et même si t'as adoré ce jeu-là à la base, à l'époque, ou si t'as adoré Vice City, faut quand même un moment se remettre dans le contexte et y rejouer aujourd'hui. C'est quand même un peu difficile, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même beaucoup de jeux en 2D qui ont beaucoup mieux vieilli en termes de gameplay et tout que ces jeux en 3D sur les premières générations, parce que ça, GTA tout en 3D comme ça, c'était impossible sur la génération avant PS2, Xbox, GameCube. C'était impossible de faire ça, donc... on peut dire c'est la première génération de consoles qui permettait des trucs aussi énormes en 3D. Et en termes de gameplay, ça a quand même pas mal vieilli. Et clairement, c'est plus difficile de rejouer à ça aujourd'hui que de jouer à des jeux en 2D. Hein. Donc là, on sautait, comme on mettait des pains, oui, comme ça. On va mettre quelques pains. Et puis on va s'arrêter là. C'était résistant, hein? Parce que je mettais pas des pains assez forts. Mais t'avais rien demandé, elle est juste venue s'approcher. Normalement, il y avait une touche pour cibler, je crois. Oh, elle a sorti un couteau, elle. Mais c'est pas une prostituée, ça? Je suis dans la merde, je vais pas pouvoir remonter. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, on avait la carte aussi. Hein. Effectivement, vous voyez, quand vous voyez la taille de la carte, voilà, pour l'époque, c'était quand même énorme. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Voilà, c'était juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.